Je la visualise à peu près ici. Avec l'arche un peu avant. Après là, la ligne, puis là, il y aura la zone de ravitaillement avec normalement les masseurs. S'ils connaissent si bien la ligne d'arrivée du marathon du Der, c'est parce que Julien est un habitué de cette course. Dimanche, ce sera sa troisième participation avec un objectif clair cette année. En tant que compétiteur, j'aimerais bien gagner quand même, hein. Ça serait mentir de dire le contraire. Et après, en temps, ça dépendra des conditions, mais aux alentours de 2h30. Soit une moyenne de plus de 17 km/h. Pour atteindre ce niveau, le braguard de 23 ans enchaîne depuis cet hiver des périodes d'entraînement de plus de 100 km par semaine. Je respire bien, tu réemmagasines l'allure du marathon. Donc ouais, 4 fois 2 km, 3,30 au kilo, récup 3 minutes entre les blocs et puis... Ça marche. Les séances d'entraînement sont concoctées par Thomas, son entraîneur. Les deux se sont rencontrés dans le monde du triathlon et collaborent maintenant depuis plus de 10 ans. Comme il le dit lui-même, c'est un peu une relation grand frère qui s'est nouée. On est vraiment devenus amis avec le temps. Et donc, c'est au-delà de la relation entraîneur-entraîné, c'est une belle relation humaine, quoi. À quelques jours de la course, l'heure est aux dernières foulées. Je me sens bien, les jambes sont bien, elles répondent bien. Après, on verra le jour de la course, hein. Tout peut se passer. Là, c'est la fin de la prépa, quoi. C'est fini, hein. Maintenant, c'est récupéré et puis voir le jour J. Et le jour J, ce boulanger de métier vise tout simplement la victoire, mais un marathon peut avoir son lot d'imprévus. Comme il l'a dit lui-même très justement, ça reste un marathon. C'est un peu la beauté à la fois, la difficulté du sport, c'est qu'on aura beau avoir mis tout en place avant, avoir une préparation optimale et parfaite, le jour de la course, il peut arriver tout et n'importe quoi et qu'il y ait tout qui se passe, aussi bien dans le très positif que dans le très négatif. Local de l'étape, Julien pourra néanmoins compter sur plusieurs avantages. Moi déjà, le parcours, je le connais par cœur. Je pourrais quasiment le faire les yeux fermés. Le départ sera vraiment à côté de chez moi. Je passe même à 500 mètres de chez moi, 400 mètres. Donc il y aura toute ma famille, il y aura des amis, il y aura mon entraîneur. C'est sûr que ça sera vraiment, c'est vraiment motivant et on n'a pas le droit de lâcher, il faut y aller. On a toujours peur de décevoir, mais bon, je me suis entraîné pour, donc j'espère que ça le fera. Et si ça le fait dimanche, Julien arrivera ici, à Giffaumont, en première position et remportera le marathon, son marathon.